Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Loli Pelat, alias Julie. J'espère que vous allez bien en ce lundi, je sais plus combien, ça y est, je suis de nouveau perdue dans les jours. C'est vraiment comme une retraitée en fait, les retraités ils savent jamais la date, mais moi c'est pareil. je sors de ma sieste, vous avez l'habitude, avec mon petit café, et donc je décide de vous prendre aujourd'hui pour ouvrir ce nouveau vlog. Je suis allée chez le coiffeur, ça m'a pris un petit peu, un petit peu beaucoup la tête en fait au niveau de ma coiffure. Ça devenait du grand n'importe quoi. Et je me suis dit, non mais Julie, c'est pas parce que t'es en arrêt maladie que tu vas rester comme ça. Non, pour ton estime personnelle, non, ce n'était pas possible. Donc, j'ai appelé vendredi après vous avoir eu après avoir fait tout le montage vidéo pour le vlog. J'ai appelé ma coiffeuse, je lui ai expliqué que j'étais en arrêt maladie et que j'avais certaines heures de sortie et que voilà, et que j'avais pas trop le choix en fait. Et elle m'a sorti ok, bah ce soir 18h. Oui. Je pensais pas que c'était là, je pensais que c'était dans la semaine, hein, je... Voilà, mais bon, non, à 18h, voilà. Donc je suis allée à 18h, c'était un peu compliqué pour moi de me dire qu'il fallait que je sorte à 18h, c'était un petit peu... un peu compliqué. Donc, mais bon, j'y suis allée, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pu avoir une tête plus agréable en retour de profil dans ma glace. Et voilà, donc j'ai un peu la coupe printanière qui me fait du bien. C'est quand même les belles plantes, il faut les couper de temps en temps. j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait beau, enfin, après une semaine de pluie. Il y a un petit soleil, il y a une petite brise. Donc peut-être que vous allez entendre les voitures. J'en suis désolée parce que le parking de ma résidence... Et juste en dessous, c'est très rare qu'il y ait une voiture, mais là vous voyez en parlant, il y en a une qui est en train de se garer. Mais vous allez peut-être entendre les petits oiseaux et des pies, parce que oui, il y a des pies partout. C'est une catastrophe les pies, mais bon. Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Alors, ce week-end, pas grand-chose, à part flipper pour les élections, c'est tout ce que... C'est tout ce que j'ai fait. Non, j'ai pas fait grand chose effectivement. Bon, vous allez voir, j'ai quand même tricoté, j'ai filé, voilà, j'ai un peu réfléchi sur certains patrons, voilà. Donc, on va parler de tout ça cette semaine parce que j'aimerais vraiment me trouver ce patron de pull un peu ample pour utiliser le marron de la Cécile. Ouais, je pense que ça va être mon prochain et donc je suis dans la réflexion d'un patron. Voilà, alors soit ce sera un patron de ma bibliothèque, ce qui peut être bien, hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je tricote aussi ce que j'ai acheté. Alors je tricote hein, déjà ce que j'achète, mais c'est vrai que là, voilà. Ce serait bien aussi de continuer dans ce sens. Sinon, ou tout autre, dans mes favoris. Donc, il faut que je regarde. Ouais, je vais chercher. Je vais chercher. Je vais chercher. Voilà. Et donc, j'ai du café partout. Bah oui, parce que je ne sais pas boire. Si, j'ai fait quand même quelque chose d'important. En fait, depuis quelque temps, certaines d'entre vous m'envoient des petits messages privés sur Instagram pour savoir ce que j'ai. Ce que j'ai au niveau de mes douleurs. Parce que je dis toujours mes douleurs, mais c'est vrai que je n'ai jamais donné de nom à ce que j'avais. Et j'ai eu une conversation avec une amie qui m'a dit que ça serait bien parce que effectivement ça pouvait frustrer de ne pas savoir ce que j'avais, alors que bon, moi j'étais pas du tout partie dans l'optique de vous dire ce que j'avais parce que c'était peut-être un peu trop personnel, je ne sais pas.
Du coup, ça m'a un peu travaillé, pas beaucoup, hein, parce que du coup, je l'ai fait. J'ai fait une vidéo qui dure 20 minutes où, bon, je blablate beaucoup, hein, comme d'habitude. Je blablate sur le début de mes déboires jusqu'à aujourd'hui, et donc ça dure 20 minutes. C'est pas très plombant, je vais y arriver. Je ne pense pas, mais je suis dans. Je l'ai monté, j'ai tout fait, mais je ne l'ai pas encore posté. Parce qu'en fait, je suis sûre que certaines sont intéressées, que c'est pas du tout une curiosité mal placée. Je pense pas en tous les cas. Mais je ne sais pas si ça a lieu d'être mis sur ma chaîne. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis un peu. Alors, le truc, c'est que ça fait partie de mon quotidien et que vous me soutenez et que ça fait un moment que je parle de ça à demi-mot. Vous voyez comment je suis là? Je suis toujours un peu dans l'interrogation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette vidéo de côté et. Je vais attendre la semaine, je vais mettre une semaine de réflexion, je vais poster ce vlog et je vais vous poser la question si il y a une ou deux personnes sont intéressées, je la mettrai, en sachant que de toute manière, j'avais le choix entre la mettre en fin de vlog ou la mettre à part. Et je me suis dit que j'allais mettre cette vidéo à part parce que vous aurez le choix comme ça de la regarder ou pas. Mais je suis toujours dans le est-ce que je la poste ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, si vous voulez me conseiller, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, est-ce que je la mets ou pas? Telle est la question. Voilà, donc ça c'était au niveau de. Si, quand même, vous voyez, j'ai fait quand même quelque chose d'important. J'y ai quand même parlé de cette maladie. Et en fait, ça m'a vachement aidée. Ça m'a fait du bien d'en parler. Alors, vous étiez pas là, mais j'étais devant ma caméra et ça a été quand même. J'avais très peur de dire beaucoup de comme ça, un peu. Et en fait, je trouve que ça a été assez fluide en fait. J'avais rien préparé et c'était assez fluide. Voilà. Voilà, vous verrez. Peut-être qu'elle sera postée, peut-être pas. On en reparle vendredi parce que j'aurai eu quelques jours de réflexion supplémentaire. Et voilà. Voilà oh, je bouge mes mains, donc mon café, donc je vais en foutre partout, hein? Donc ça, je le pose, ça sera beaucoup mieux. Un autre petit truc, et après, on arrête les blabla. L'une d'entre vous m'a fait la surprise, le cadeau de m'offrir un patron. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que samedi, c'était pas le folichon. Et du coup, en fait, avant d'aller me reposer l'après-midi, je regarde mon téléphone et je vois que j'ai un message qui me dit que j'ai un nouveau patron offert par l'une d'entre vous, que j'ai vivement remercié par deux fois sur différents réseaux. C'est une personne avec qui je discute sur Instagram et qui est vraiment adorable. Et en fait, c'est vrai que la semaine dernière, je vous avais parlé d'une réflexion sur un patron en brioche pour me lancer en brioche bicolore. Et du coup, bah, elle m'a offert un patron. Voilà. Donc, elle m'a offert un patron qui s'appelle le Brioche plus Mystery de Suzanne Sommer, alias Sosu. Pour moi, c'est la reine de la brioche. J'aime énormément tous les patrons qu'elle fait en brioche. Et je m'étais toujours dit que de toute manière, je ferai un patron de Sosou en brioche un jour. Du coup, ça va être vraiment un patron défi parce que y a des augments. Alors, il y a de la brioche en bicolore et. Il y a des augmentations, des diminutions dans les brioches. Enfin, c'est un truc assez pouf, assez fou. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment un patron défi pour moi. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu
de patron des filles et donc ça va me faire du bien de me torturer un peu l'esprit. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, je le ferai pas tout de suite, mais je vais le commencer cette année. Oui. Il faut juste que je trouve maintenant les couleurs. Ouais. Café terminé. Donc, je vous montre un peu quand même ce que j'ai fait ce week-end. On va commencer direct par le Wrap Fibers avec, pour une fois, on commence par le filage. Du coup, j'ai filé une petite partie, pas tout, mais une petite partie de la tresse numéro 11 du calendrier des petites potions. Je crois qu'elle va mettre à 17h, bah d'ailleurs, ça doit y être là, puisqu'il est 17h30. Je crois qu'elle va mettre le calendrier pour l'année, pour cette année. Alors elle met la première partie aujourd'hui à 17h et en début mai elle mettra l'autre calendrier en fait parce qu'à chaque fois elle en fait deux. Et en fait là le premier est en teinture végétale et le deuxième du coup est en teinture chimique. Du coup j'hésite, j'hésite. Je sais que je vais prendre un de ces calendriers, mais peut-être ce serait plus raisonnable de le faire celui de janvier, de mai là. Alors, on y est, hein, on arrive, hein, là on y est, mais j'ai pas ma paye, donc voilà. Donc du coup, là c'est le numéro, donc la tresse numéro 11, puisqu'on va en arrière. Je vais y arriver. Donc, c'est du grès alpaca et c'est le coloris Metal Blood. Alors, je vous montre Alors, attendez, hop, je remets bien ça parce que je voudrais pas tout perdre. Je vous montre le coloris. C'est trop, trop joli. C'est un beau rose violet métallisé, effectivement. Vous avez vu la fibre, comment elle est? Elle est vraiment longue. Oui, elle est vraiment longue et du coup, on peut vraiment la tirer pour la faire et c'est trop joli quoi. Et voilà le rendu. Ah, et ben voilà. Hein, super. C'est pas grave. Donc voilà le rendu. C'est trop joli. C'est un beau rose violet. Bon, c'est plus violet hein, quand même. Hein. Oh, quoique, enfin, il y a quand même des soupes, il y a beaucoup de rose et beaucoup de violet dedans. Et c'est très 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 agréable à filer comme d'habitude. J'aime beaucoup et donc je vais réparer ce que j'ai fait. Hop, je tourne. Et je mets les deux en même temps, je pince et voilà, c'est fini. Bon, du coup, je vais juste mettre un tout petit peu. Voilà. Hop, et comme ça, je peux le ranger. Vous avez vu, c'est tout simple hein, à récupérer. Voilà, donc voilà pour la nouvelle tresse. Donc, j'ai encore affilé tout ça. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Franchement, attendez, je pose ça. Sinon, je fais des bêtises. Regardez-moi, c'est comme c'est beau, c'est doux. Alors, il y a des petits couacs. Enfin, des couacs. Il y a des petits endroits. Je fais tout tomber parce que bien sûr je rattrape mes mèches mais je fais de la merde. Pardon, je fais des bêtises. Voyez, il y a ce genre de petits couacs là, de petites boules un peu feutrées là. Donc bon, c'est pas très très grave, mais c'est juste que ça rend le. Voyez, voyez ça. Du coup, j'ai décidé de carrément, si j'arrive pas à le filer, en sachant que ça le fait hein, quand même. Mais il y a des petits bouts comme ça que j'enlève pour éviter d'avoir une petite boule en fait dans ma fibre et que ça m'agace en fait. Donc voilà, et c'est trop trop joli. C'est un superbe coloris. Peut-être que jamais je ne l'aurais acheté si je l'avais dû l'acheter comme ça de moi-même. C'est marrant. Mais c'est très très joli. Très très joli. Ensuite,
Donc on a fini pour le filage. Du coup, on va quand même parler du Rope Fibus d'Alexandra Barthélémy. Et donc, de mon petit bout de baby alpaga qui me reste encore, vous voyez. Voilà. Et donc de la petite le petit départ de pointe de la partie 2 de l'étole. Et je vous ai mis juste avant, vous avez vu le blocage de la première partie, et c'est juste sublime, je l'ai devant les yeux, c'est magnifique, j'ai hâte qu'il soit sec pour pouvoir le ranger, parce que bon, avec l'outil, on sait jamais. Elle a décidé en ce moment d'utiliser un de mes petits nains au tricot, fait au tricot par une copine, Déborah. Elle a décidé de jouer avec. Donc à chaque fois, parce que je l'ai mis sur en surplomb en fait, et elle n'arrête pas d'essayer de l'attraper avec ses griffes. Elle récupère le petit bout là de le petit nain, et elle le jette en l'air. Pauvre petit nain. Donc du coup, je me dis que, parce qu'hier elle jouait presque sur mon étole avec, je me suis dit, non, non, très mauvaise idée, Lottie, très mauvaise idée. Voilà, donc ce chat joue un peu, oui, c'est extraordinaire, il faut le savoir, c'est rare. Donc voilà pour la première partie de cette partie 2, avec ce petit violet super joli, assez doux. Et donc, voilà, je continue un peu et je vais attendre après d'avoir terminé de filer ma petite tresse pour continuer la suite. Voilà. J'ai hâte, mais c'est très agréable. Pareil par rapport au baby alpaga, c'est vraiment très agréable à tricoter. Voilà. C'est doux, c'est du plaisir, quoi. Ensuite, on va continuer avec mes chaussettes auto-rayantes, avec la laine de ma petite laine. Donc, je vous remontre ce superbe coloris de tous les lieux, de tous les feux, de parfait, parfait. Oh, j'adore, j'adore. Et j'ai pas mal avancé parce que je vais vous montrer par rapport à. Vous voyez, j'avais fait tout ça la semaine passée, donc vendredi. Je vous avais montré jusque-là. Donc c'était très très bien. Et donc, j'ai fini le pied en fait. J'ai fini le pied. Voilà. Et j'ai fait le talon en rang raccourci. Pour le talon en rang raccourci, j'ai cherché en fait un talon à rang raccourci que j'avais, qui commençait par la pointe en fait. Et donc j'ai pris le patron qui était un des patrons qui était dedans de tricoter ses chaussettes. La technique pour débuter aux éditions Erol, qui est un bel ouvrage où il y a pas mal de chaussettes à tricoter. Et pas mal de points à réaliser, et donc j'essaye de vous trouver, parce que bien évidemment je ne l'ai pas noté et je ne l'ai pas marqué. J'ai pris le talon, attention, c'est pas celui-là, je trouvais, c'est un talon à rang raccourci, hein. Oui, c'est celui-là. Donc j'ai pris le talon de cette paire de chaussettes, et voilà, toute simple. Mais du coup on avait le talon à rang raccourci qui était là, et j'ai à peu près fait la même chose, à peu près. Voilà, donc c'est un talon en fait, c'est un talon à rang raccourci assez basique, parce qu'en fait au final après je suis allée voir d'autres vidéos etc. et effectivement c'est exactement la même technique à chaque fois. Donc voilà, le talon, alors là c'est avec des wrap and turn. Donc c'est la maille qui est enroulée, et en fait on tourne tout de suite après l'ouvrage pour tricoter à l'envers ou à l'endroit selon où on se trouve. Et en fait donc
C'est Claude Tricot, j'avais regardé ça la semaine dernière, qui en fait, elle fait avec des mailles en... C'est du German Shell Roe, donc avec la maille qu'on étire et qu'on a en deux, en fait, du coup, à la fin, qui est pas plus mal aussi. Et du coup, moi, j'ai pris sa technique de fin, en fait, pour éviter d'avoir des trous ici. Donc, je vous mettrai le lien de sa vidéo, voyez, j'ai aucun trou. Et en fait, je vous mettrai le lien de cette vidéo parce que c'est très bien expliqué, comme toujours avec Claude Tricot. Et voilà. Et donc, j'hésite en fait à faire le deuxième talon avec le German Shell Roe. Pardon pour le bruit. Pour voir un peu ce que je préfère. J'aime bien les wrap and turn. Hein, c'est pas. Je trouve en plus que c'est très joli au niveau de la finition. Ouais. Voilà. Mais pourquoi pas essayer aussi l'autre talon. Ou je le ferai plus tard sur un autre patron. Mais voilà pour ma petite chaussette. Du coup, je vais enlever mon marqueur. Attendez. Comme d'hab. Je le fais en direct live. Hop, voilà. Et je vais le replacer au niveau de la dernière. Hop. Voilà. Du dernier rang. Voyez. Comme ça, on verra la progression pendant les 2 jours qui viennent, puisque je vous reprendrai mercredi. Voilà. Donc, le seul petit truc, alors, j'aime beaucoup les coloris, c'est très très bien. Au final, en fait, j'ai regardé, mais je pensais que c'était que la base magique pour... Pour ce coloris-là, mais en fait non, la base magique aussi c'est ce coloris-là puisque là ils mettent petit pied et dans la base petit pied c'est marqué 75% Merino Superwash et 25% de nylon, mais dedans il y a du Stellina en fait, voyez, ça brille. Alors est-ce qu'elle s'est plantée en le faisant peut-être, mais en tous les cas du coup c'est plus la base magique pour toute la paire de chaussettes. Voilà, c'est rien, ça ne me... Voilà, c'est pas grave, c'est vraiment aucunement important. Le petit truc qui m'a un peu embêtée, c'est que sur le coloris vert, un peu vert bouteille, il y a des petites démarcations, vous voyez, là et là. Alors la teinture à la main, c'est un peu les problématiques qu'on peut rencontrer. Heureusement pour moi, les petites problématiques comme ça sont sur le derrière, le dessous du pied. Donc c'est pas grave, mais voyez, quand je le mets comme ça, on le voit quand même pas mal. Hein. Ouais. Mais bon, ça c'est le dessus, donc ça ira très très bien le dessus. Voilà, on en reparle, mais j'aime beaucoup. C'est trop trop joli. J'aime beaucoup. Et puis, je suis toujours aussi fan de ces deux coloris-là. Le vert aussi, hein, est magnifique. Hein. Vraiment, ces trois-là. Magnifique. Alors, on range tout ça dans les petits sacs à projet. Vous allez voir le prochain et dernier projet à vous présenter. C'est mon bonbon Genesis. Je n'ai toujours pas mis dans un sac à projet. Je pense que c'est dans l'idée de... Ben, parce qu'il faut absolument qu'il avance et que c'est mon projet au quotidien. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne le mets pas. Je ne sais pas. C'est bizarre. Donc, on va parler du bonbon Genesis. J'ai mis des petits marqueurs pour éviter de faire tomber mes mailles. Ça serait un peu bête de vous parler en même temps et de tout faire tomber. Je ne veux pas. Donc, le bonbon Genesis est une pièce magnifique. J'ai terminé, comme promis, parce que c'était mon challenge de ce week-end. J'ai terminé donc toute la partie de la section 9, qui est une partie à trou-trou sublime, qui était assez longue et dans mon souvenir, c'était pas aussi long en fait. Mais bon, ça rythme bien. Du coup, ça fait un peu de tricot potentiel Netflix. Voilà, c'est où on n'a pas besoin d'être trop concentré. Ça va tout seul. Donc, du coup, vous voyez, j'ai fait par rapport à mon marqueur de vendredi, j'ai fait tout ça. L'équivalent de presque une tête.
Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment, je suis contente. Et donc j'ai attaqué la section brioche, comme je vous avais dit. On va reprendre cette même, on va y arriver, cette petite section-là. Et peut-être du coup qu'après on va être de nouveau sur une section, sur la première section, je crois, parce qu'après on reprend cette section, la section des perles, la section avec les torsades, et de nouveau je crois une section de... Ou alors non, la section torsade, on l'a à la fin, je crois. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je l'ai fait hein, pourtant, mais je ne sais plus. Voilà pour le bombo Genesis. Voilà pour le bombo Genesis. Donc du coup, ça, hop, ça va de nouveau être monté tout là-haut. J'ai hâte de faire cette brioche. Alors, mon petit défi de ce matin au saut du lit, ça a été, Julie, tu ne regardes pas comment on fait de la brioche unicolore sur YouTube. Tu ne regardes pas. Tu te rappelles de ce que tu as fait là, juste là. Oui, c'était mon petit défi. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, ça veut dire quoi, Silio? Ok, alors on va réfléchir parce que donc c'est un patron en anglais et donc je me suis dit ah oui, cilio, c'est dire que on slip, donc on glisse la maille et yo c'est le yarn over, donc on entoure, on fait un jeté en fait. Donc du coup voilà et je me souvenais que dans les explications il fallait avant de glisser la maille en fait il fallait mettre le fil devant et du coup en fait quand on tricote dans le rythme de tricot en gros on fait d'abord le jeté et on glisse la maille et c'est ça en fait c'est ça qu'il faut faire voilà j'étais trop fière de moi puis je me suis dit ouais j'y arrive toute seule et tout sans regarder youpi et le point d'après en fait c'est de tricoter la maille je vais vous montrer le mieux c'est où. Là, voilà. C'est de tricoter en fait ces deux mailles là, vous voyez. Donc là, on a une maille en droit normale. Ici, on a la maille en droit normale. Et après, on a le fameux jeté glissé qui est ici en fait. Et donc, dans le rang d'après, en fait, ces deux-là sont tricotés ensemble. Voilà. Et la maille normale en droit, en fait, c'est là qu'on fait le slip yo. Donc le jeté avec la maille glissée. Voilà. Donc c'est assez lisible au niveau de la façon dont on tricote parce que même si je m'arrête au milieu du rang, j'ai la possibilité de comprendre le patron et de comprendre l'endroit où je me suis arrêtée. Voilà. Mais bon, un conseil, quand vous faites ça, finissez votre rang avant de vous arrêter. C'est quand même mieux. Voilà pour le bombo Genesis, qui est vraiment pouf, sublime, sublime, sublime. Sublime. Il est magnifique. Ouais. Voilà. Et donc du coup, j'ai introduit la nouvelle pelote. Et donc en fait, je fais un rang sur deux rangs sur deux avec l'une et l'autre pour. Bon, logiquement, c'est le même bain, mais pour éviter toute grosse démarcation au cas où, j'ai alterné en fait, mais j'alterne, pardon, mes écheveaux. Donc un rang sur deux, un rang, deux rangs sur deux, pardon, puisque je fais un aller-retour avec l'une, un aller-retour avec l'autre, etc., etc. Et pour ceux qui se posent la question, parce que c'est une petite erreur de débutant qu'on peut faire et que j'ai fait. Oui, je l'ai fait, c'est pour ça que j'en parle. C'est qu'en fait, les deux fils. Non, c'est même pas le bon côté. Julie, c'est bien. Voilà, c'est là. Les deux fils, vous voyez, on les fait suivre à chaque fois. Et quand on va. Là, je vais prendre du coup le fil qui est en bas. Et celui-là, il ne faut pas le serrer trop fort parce que du coup, sinon, ça va serrer votre travail ici. Et du coup, il va y avoir un manque de souplesse en fait dans votre tricot et ça va pas le faire. Quand vous faites un tricot, même un pull ou quoi que ce soit et que vous changez comme ça vos alternances de couleurs et de, il faut surtout jamais trop tirer ici.
Il faut le laisser un petit peu lâche. Bon, pas un truc immense, hein. Voyez-moi, c'est pas lâche, lâche, mais vous voyez là, par exemple, celui-là, je vais le tricoter. Hop. Et je vais laisser au moins l'équivalent de 1 cm. Vous voyez? Pour que ça ne soit pas trop serré, en fait. Voilà. Donc, à chaque fois que vous changez de couleur, soyez très lâche dans votre tricot. Même si vous tricotez serré, soyez très lâche dans votre tricot. C'est un petit conseil. Voilà. Bon. Je m'arrête de parler pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Enfin non, à mercredi. Et mercredi, je vous parlerai peut-être des pulls que j'ai en tête. Je vais un peu fouiller, un peu chercher pour voir ce que je vais faire avec le beau marron de Loli La Fée. Peut-être même que je vous laisserai choisir. Ça pourrait être pas mal sur Instagram avec deux trucs ou ici, je ne sais pas, je verrai. Voilà. Je vous dis à mercredi. Vous prends pas aujourd'hui pour vous parler de ce que j'ai fait dans mes avancées tricot, on en parlera demain. On est jeudi, je vous ai pas pris hier comme je le souhaitais parce que j'ai fait autre chose et que j'avais pas forcément envie de papoter. Du coup, me voilà aujourd'hui et on va parler en fait de deux futurs projets. Alors, vous avez vu, alors, le problème des cheveux courts, c'est ça. C'est que moi, ça rebique de partout. Je sais pas comment les mettre, ces cheveux. C'est pas possible. Je les ai lavés hier. Du coup, j'ai dormi. Et du coup, c'est n'importe quoi. Vous êtes habitués. Voilà, ça rebique. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis mon ranunculus. On est le matin. Et du coup, franchement, ça fait du bien de porter quelque chose d'un peu chaud. Et il est vraiment parfait. Au niveau de la chaleur, du confort, voilà. Et en dessous, en fait, au final, j'avais un t-shirt noir basique, donc ça va, ça va, ça passe bien. Du coup, je les traîne aujourd'hui avec vous. Et donc, je voulais, oui, je m'éparpille, ça y est, c'est parti. Je vais souvent regarder comme ça parce qu'en fait, j'ai mon ordinateur juste. Derrière la caméra et en fait j'ai un peu regardé un peu tout ce que je pouvais faire comme patron par rapport au futur projet avec la laine que j'ai etc et on va déjà parler des châles en brioche du coup parce que ça m'a vraiment donné envie d'en faire un en sachant du coup que j'ai effectivement ce briochette plus mystery de ce sous et d'ailleurs c'est un des patrons que j'avais pas mis. Ce serait bien que je regarde parce que j'ai un patron en fait que j'aime beaucoup de ce sous également et je pourrais peut-être vous en parler du coup. Donc dans cette partie de vidéo du coup on va parler un peu patron. Alors la première partie ça va être plus au niveau donc des châles en brioche et la deuxième ce sera plus par rapport aux pelotes que j'ai eu de enfin que j'ai acheté chez Loli La Fée en marron pour faire un petit pull sympa voilà donc j'ai le choix entre plusieurs propositions et l'une des premières propositions au niveau des châles en brioche donc je vous ai changé de place j'aimais pas le fait de devoir tourner la tête dans tous les sens pour regarder les châles derrière moi. En plus, j'ai fait tomber la caméra. Donc, comme ça, c'est bien. Donc, je disais que le premier châle, en fait, dont je vais vous parler, c'est un châle qui m'a été proposé par Miss Manu, qui tient une chaîne YouTube où elle parle de tricot, mais également de produits au niveau autour des cheveux, de la façon dont peut-être le bien-être, voilà, qui est très très sympa, qui m'a proposé plein de petites choses. Franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, qui m'a découvert dernièrement et que j'ai du coup découvert moi également aussi. Voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
Et du coup, elle m'a proposé de plusieurs patrons, en fait, dont un qu'elle a fait, un qu'elle va faire dans un call avec des copines. Et du coup, voilà. Le premier, en fait, c'est un patron de Nadia Crétin-Léchelle qui s'appelle Briochette. Et en fait, c'est un patron, donc c'est un châle triangulaire avec différentes sections de brioche. L'avantage de ce patron, j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a aucune augmentation ni diminution dans les brioches. Du coup, ça peut être un bon patron pour un premier test de brioche sans voilà, bicolore. Voilà. J'ai un peu de mal, c'est le matin, mon Dieu, je cherche mes mots. C'est un patron qui coûte 6,13 €. Alors, au niveau de la présentation de la couleur du patron lui-même, bon, le rose et blanc, c'est pas trop ce que je préfère, mais j'ai vu d'autres coloris qui étaient plutôt sympas, dont deux coloris qui étaient assez similaires. Enfin voilà, je verrai bien, mais j'aime bien l'idée de ce châle pour appréhender en fait la brioche. Sans avoir de diminution ni d'augmentation à l'intérieur, chose qu'il y a dans le brioche que j'ai reçu, brioche et mystery, plus mystery, un truc comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, hein, mais j'ai animé moins de poisson rouge, donc voilà. C'était un patron qui a été fait plusieurs fois quand même, donc du coup c'est vrai que. Pourquoi pas ce patron-là? Depuis que je l'ai vu, il me tente assez. Voilà. Le deuxième patron est franchement, c'est celui que j'aime le plus au monde, je crois, qui m'attire le plus au monde. C'est un des patrons de Sossou, donc du coup, en brioche. C'est celui qui s'appelle le Brioche Tils. Et ce patron est juste sublime. Alors là, il y a diminution, augmentation. Voilà, c'est beau, très très fourni, mais c'est sublime. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, de toute façon, pour moi, vraiment, par rapport à tous les patrons que j'ai vus, je pense que Suzanne Sommer, c'est l'une des meilleures au niveau des patrons de brioche. Voilà, c'est dit. Le patron est aussi à 6 euros et il a été fait 143 fois. Donc oui, ça commence à faire un petit peu quand même. Hein. Ouais. Voilà, c'est vraiment un beau patron. Oui, c'est un patron en anglais, effectivement. L'autre était effectivement en français. Donc c'est vrai que c'était quand même. C'est peut-être plus avantageux pour vraiment comprendre, encore une fois, le jeu des mailles. Le rythme des couleurs, voilà. Mais c'est vrai que voilà, ce patron-là de Suzanne Sommer me tente tellement en fait. Tellement. Tellement, tellement. Je voulais vous parler aussi du deuxième patron que Miss Manu m'a proposé en fait. C'est le Plumpy d'Andrea Mori. Alors j'aime énormément Andrea Mori. J'aime beaucoup ce châle, il est vraiment très très beau. Il y a un peu il y a un peu de brioche et dans la brioche, il y a des augmentations et peut-être même des diminutions. J'ai pas trop regardé le patron, mais c'est pas trop mal. Et alors, le truc qui est bien, c'est que il y a un cal qui va être organisé par rapport à ce châle-là. Donc pourquoi pas? Le seul truc de ce cal, c'est par rapport aux dates en fait. Si la date, elle est trop rapprochée et trop. Là, maintenant, ça ne va pas être possible. J'en ai d'autres à faire avant. Mais pourquoi pas, parce que ça pourrait effectivement être une bonne aide si j'ai un problème, voilà, un problème de compréhension du patron, par exemple. Ça peut être bien d'être plusieurs et d'avoir un soutien du coup là-dessus. Ça peut être sympa, mais c'est vraiment un très beau châle. Et il est donc à 8,32 € et il y a 1383 personnes l'ont fait ce châle, donc je pense c'est un bon châle effectivement, un châle qui se fait bien. Alors là le châle il est en déca, donc là bon, ça peut être effectivement un frein pour moi parce que j'ai pas forcément de laine en déca, mais bon, pourquoi pas. Après ça peut être aussi fait en fingering,
Si, c'est juste que le châle du coup sera plus petit, hein, c'est pas... L'avantage des châles, c'est vraiment ça, c'est qu'on peut vraiment modifier. Quand on fait un pull, il faut quand même être dans le bon métrage et la bonne jauge, en fait, le bon échantillon. Mais par rapport à des châles, non, on fait ce qu'on veut, en fait. Donc c'est ça qui est bien. Voilà pour le châle d'Andrea Mori. Et donc ensuite on revient à ma sélection de que j'ai mis dans mes favoris également. Alors attention, il y en a un nouveau et c'est pas des moindres au niveau du nom. Il s'appelle le Clascus Shawl et c'est de Stella Egidi. Je vais y arriver. Donc là aussi il y a un peu de brioche. Je crois qu'il n'y a qu'une bande en brioche. Il est très très joli, peut-être qu'il y a quelques diminutions ou quelques augmentations, mais vraiment pas énorme. J'aime énormément le rendu de ce châle, je le trouve sublime. Je suis en train de le regarder en même temps, c'est pour ça que je ne vous regarde pas. Vraiment, il est très très beau. C'est un patron qui est en anglais et en italien. Il coûte 6,60 €. 12 personnes l'ont fait, donc pas énormément, mais du coup, c'est bien aussi. J'aime bien l'idée que... Pas beaucoup de gens l'aient fait et c'est un châle vraiment très joli. Très très joli. Voilà. Donc ça, et c'est de la fingering. Ensuite, le Current Mood de Lesley Ann Robinson. Pareil, c'est un châle qui coûte 8,32 €. Il y a 117 projets et c'est un châle en fingering. C'est vraiment un châle superbe. Très très beau. Pas mal de brioches, du coup je pense que le châle va être assez épais, moelleux. C'est ce que je recherche également, du coup ça me tente bien. Alors c'est un châle qui est en fait un peu comme une étole, sauf que c'est une étole extrêmement profonde. Donc il y a peu de mètres au niveau de la longueur. Mais du coup ça donne quelque chose d'assez un peu comme un châle très profond et ça me plaît, j'aime bien l'idée. Voilà, en bicolore effectivement, j'aime bien, j'aime beaucoup ce châle également. Au niveau de la moyenne et tout, non, on est pas mal, hein. Au niveau des notes des gens qui l'ont fait, il est vraiment pas mal, donc bon, à voir. Un autre, est-ce qu'il y a de la brioche dans celui-là? Parce que je l'ai mis, mais je ne pense pas en fait. Je l'ai regardé, mais je regarde. Attendez. Bon, dans l'autre, il n'y avait pas. Donc du coup, c'est terminé pour les châles. Mais vous voyez, j'en ai quelques-uns quand même que j'aimerais vraiment me faire, dont certains plus basiques. Donc du coup, effectivement, pour appréhender un petit peu la brioche en bicolore, ça peut être pas mal. Des châles qui n'ont pas d'augmentation ni de diminution dans la brioche, ça peut être pas mal aussi. Certains en français, donc aussi pareil, pour vraiment comprendre la technique même de la brioche en bicolore, c'est bien aussi. D'autres qui sont un peu plus corsés et que j'aime bien aussi parce que du coup le défi est plutôt agréable et moi j'aime bien avoir des défis dans mes tricots, quelque chose qui soit pas trop routinier non plus, donc voilà, j'ai pas mal de choix et je pense que je vous l'ai dit, cette année sera en brioche, mon défi sera de la brioche et je vais quand même mon objectif est quand même vraiment ce châle qu'on m'a offert et voilà, c'est vraiment ce que je veux, un châle de Sossou, voilà. Et qui dit ça, dit que sans doute l'année prochaine, je ferai le brioche tils de Sossou et voilà, c'est vraiment un de mes objectifs parce que ce châle, quand je l'ai vu, oh, j'ai trouvé qu'il était tellement beau. Donc voilà pour les patrons de châle. Et ensuite, du coup, je vous ai montré la semaine dernière, j'ai reçu de la laine de Loli Lafée, donc je l'ai achetée hein, dans ce beau marron. Et du coup, je cherche depuis à tricoter un patron. Et en fait, j'ai décidé de l'aller dans ma bibliothèque directement, dans un patron que j'avais déjà acheté. Comme ça, il y a quand même un peu moins de dépenses parce que c'est bien aussi. Et puis, c'est bien aussi de tricoter ce qu'on achète. Hein, c'est pas mal aussi. Donc, le premier, en fait, que j'ai trouvé, c'est le Lunaria de Amanita Agatha
Mackie Wiz. Pourquoi les gens ont des noms comme ça? Je suis désolée, j'écorche. C'est surtout ça en fait qui me gêne, c'est que j'écorche en fait le nom des gens et c'est pas bien, c'est pas bien. Alors quand c'est le patron, je m'en fous, mais les gens, mince. Bon, on va dire que c'est un patron d'Agatha. Donc ce patron, il est à 8,32 €. Il n'y a que 27 personnes qui l'ont fait. Il est donc en fingering parce que il fallait que je trouve un patron en fingering avec le métrage que j'avais à ma disposition, hein, quand même. Donc c'était quand même la réglementation pour moi. Hein. C'est un patron en anglais. Il est très très beau, mais j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup tout. J'aime beaucoup tout. J'aime beaucoup tout. Le patron, je vous ai dit qu'il avait 27. Il y avait 27 personnes qui l'avaient fait. Il est un peu au niveau des manches, je pense que je l'allongerai un petit peu. Au niveau du corps, il n'a pas l'air mal. Je ne sais pas du tout la taille que ça fait, mais bon, au niveau du métrage, en fait, je pense qu'il me resterait un petit peu. Donc, du coup, je pourrais rallonger au moins les manches et peut-être un peu le corps. Donc, mais de pas beaucoup, vraiment de pas beaucoup. Et voilà, c'est un très beau châle. Il y a de la dentelle sur les bras, il y a de la dentelle en, enfin il y a un point texturé en bas du corps. C'est vraiment très joli, quoi. Vraiment tout féminin, tout joli, tout mignon. J'aime beaucoup. Et je l'ai dans ma bibliothèque, donc ça aide. Le deuxième patron qui me tente beaucoup, c'est le Damasque de Marie-Amélie Design. Gaëlle de Woolly Day l'a fait. On mangeait au resto, elle l'avait, elle le portait. Je n'ai pas arrêté de le regarder. Ce pull est magnifique. Vraiment, je l'ai également dans ma bibliothèque. C'est un patron donc gratuit puisque Marie-Amélie Design a arrêté malheureusement de designer et donc a mis tous ses patrons gratuitement sur la plateforme Ravelry. C'est un patron qui est vraiment très beau. Pareil, je pense que les manches, je les rallongerai, le corps un petit peu également, parce qu'il arrive vraiment milieu fesses. Et bon, moi, il me faut au moins cacher mes fesses. Voilà, c'est bête, mais j'ai toujours l'impression d'être toute nue si je ne les cache pas, mes fesses. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Le patron, je pense que j'ai la possibilité vraiment de le rallonger par rapport au métrage. Voilà, il a été fait 78 fois. Il est vraiment superbe, texturé tout du long. Je pense qu'on s'ennuie pas du tout. C'est un peu comme le jacquard. On a un rythme de aller encore un rang, encore un rang, encore un rang. Voilà, il est vraiment très très beau. C'est vraiment un pull sublime. Je vais le faire, c'est sûr. Avec ce joli marron, je pense qu'il irait vraiment super bien. Voilà, j'aime beaucoup. Et le dernier que j'ai en ma possession, qui m'intéresse beaucoup dans cette couleur également, et qui était également dans mon Mech 9 de cette année, donc on remplirait aussi une case par rapport à ça, c'est le pull Saturne de Que font mes mains. J'aime énormément le tombé de ce pull. Voilà, c'est vraiment un pull sublime. Christelle de Rêve sa vie en couleur le portait dans le dernier vlog, je crois. Elle l'a fait en coloris bleu. Il est sublime. J'aime beaucoup le tombé du yoke. Il est vraiment très très beau. Le col est vraiment très ouvert. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, assez ample, tout ce que j'aimerais avoir actuellement. Voilà. Voilà, je pense que ce pull est fait pour moi. Il est à 6,60 €. 62 personnes l'ont déjà fait. Au niveau de la taille en elle-même, elle est pas trop mal. Je crois que je ferai la plus grosse taille par contre. La plus grande taille, c'est mieux. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est au moins j'aurai un peu d'aisance. Et je crois qu'il y a 20 cm d'aisance. Entre 10 et 20 cm d'aisance. Et comme j'ai vraiment envie de quelque chose qui soit pas trop trop serré autour de moi, je pense que les 20 cm sont très appréciables et seront très supportés par ma personne. Voilà, donc ça c'est vraiment un pull également que je veux me faire absolument. Donc vous voyez, j'ai pas mal de choix de pulls et de châles. Ce sera sans doute un de ces projets qui seront sur mes aiguilles très prochainement. Enfin,
dès que j'ai terminé mon bombogénèse. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite partie vous a plu et que vous avez découvert un peu des patrons. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait sur ma chaîne, de vous montrer un peu mes envies, mes coups de cœur. Je crois que ça fait bien 2 mois que je ne l'avais pas fait. Et bon, voilà. Hein, c'est... Oui, je n'arrête pas de me caresser. C'est tellement doux. Voilà. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Oui, je me caresse. Oui. En direct live, je trouve ça tellement doux cette basse, c'est impressionnant. Voilà, j'arrête de dire des conneries. Il y a un autre truc qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est les gilets qui tombent bien ici et qui n'ont pas de boutons. Ouais, à chaque fois que je vois quelqu'un porter un gilet comme ça, je me dis, oh, ça c'est bien ça me plaît ça. Voilà. Bon, j'arrête les bêtises, j'arrête de papoter. Je vous dis à demain du coup, parce que demain je clôturerai ce vlog et je vous montrerai mes avancées qui n'ont pas été folichonnes non plus. C'est pour ça que je ne vous montre pas, parce que j'ai eu 3 jours où, de relâche, de tricot, de... J'avais pas envie, j'avais envie de bouquiner, du coup j'ai lu et voilà, c'est tout, c'est comme ça. J'avais pas envie, j'avais pas envie. Donc j'ai pas trop avancé. Donc je vous montre ça demain. À demain. Coucou. J'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Je suis en train de me demander si je dois vous dire un truc ou pas. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. C'est pas grave. On commence. Donc, on est du coup samedi matin. Oui, je devais vous reprendre vendredi, mais cette semaine a été une grosse flemmardise aiguë où j'avais pas envie. J'avais pas envie ni de tricoter, ni de tourner, rien. J'avais envie de rien, enfin de rien faire de ce point de vue-là, hein, parce que après j'ai quand même un peu tricoté, j'ai regardé pas mal de séries, films, etc. Et j'ai lu. Donc du coup j'ai quand même fait des choses, mais non, je n'avais pas. Vous allez voir, bon, j'ai un peu progressé au niveau de mon avancée du bombogénèse, voilà, j'ai un peu avancé quand même, hein, mais non, pas autant que j'aurais dû, enfin, j'aurais pu plutôt, parce que dû, bon, non, mais pu. Du coup, au niveau de ce que je regarde, en ce moment, je suis en train de regarder la saison 3 de Big Bang Theory. En fait, depuis toujours, depuis le début de cette série, je l'ai vue épisodiquement. Je passais de la saison 3 à la saison 6. Enfin, c'était un truc vraiment. C'était très, très décousu. Je comprenais un peu l'idée, l'univers, les personnages. Et vraiment, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de choses compliquées. Mais je n'avais pas un fil conducteur, ni un début et une fin. Enfin, voilà, c'était vraiment décousu, et du coup, comme elle est sur Netflix, je me suis dit, bah tiens, tant que tu y es, tant que tu es là, et que je crois qu'il y a 12 saisons, un truc comme ça, vas-y, regarde-les. En plus, j'aime bien, c'est des petits épisodes, donc ça va très très vite. J'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup, voilà, c'est très sympa. Et du coup, j'en suis à la saison 3, du coup. J'aime bien. Voilà. J'aime bien. J'aime énormément Sheldon. Je trouve qu'il est complètement barré. Ça me fait plaisir. Il a aucun sens de l'humour. Il est toujours au premier degré. Très intelligent et du coup extrêmement narcissique, imbu de lui-même. Enfin, c'est un truc. J'adore. Il me fait trop triper. Et du coup, voilà, donc du coup, j'ai regardé ça. J'ai regardé également, je l'avais enregistré, j'ai enfin regardé les 20 ans d'Harry Potter. Donc, c'est cette émission qui revient en fait avec tous les personnages pratiquement sur en fait Harry Potter et tous les films en fait d'Harry Potter. C'était assez émouvant. Moi, dès les premières notes, de toute façon. Dès les premières notes de musique d'Harry Potter, moi je chiale. Donc c'est un truc, c'est vraiment une histoire qui me plaît. Et depuis tellement de temps, j'ai envie de les relire tous ces bouquins. C'est un truc, voilà. Je vais le faire, je ne sais pas quand, mais
de relire ces histoires qui, en fait, ont traversé plusieurs années de mon âme de lecteur et voilà, qui ont complètement ravi ma fibre littéraire et mon imagination. Enfin voilà, ça a été. Voilà, j'ai envie de retrouver ce moment-là, ces moments où je me rappelle exactement quand est-ce que je lisais les livres ou comment. Enfin, c'est un truc de fou, c'est vraiment. Il y a très peu de livres comme ça qui me font cette sensation-là. Donc, du coup, voilà, je vais les lire, je vais les relire. Oui. Donc voilà, donc j'ai regardé cette émission. Alors, je connaissais tout. Je connais déjà tout, toutes les anecdotes, tout, tout, tout. À part que l'acteur de Severus Rogue connaissait en fait la fin de son personnage et le pourquoi de tout en fait, tout ce qui se passe sur son personnage avant tout le monde en fait. Il l'a su dès le deuxième film. Il est allé voir J.K. Rowling, il lui a demandé, il lui a dit voilà, pour que je comprenne mon personnage, que j'arrive à le jouer parfaitement, il faut que tu me racontes tout sur lui, quoi. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, que l'acteur savait tout sur Severus Rogue. Je trouve ça génial. Bon, après, Alan Rickman, j'aimais tellement. Voilà, c'était aussi un acteur que j'adorais. Voilà, donc ça, c'était le petit truc que je ne savais pas. Sinon, oui, non, je connais beaucoup, beaucoup trop de choses sur les films d'Harry Potter et les livres et tout. En fait, je connais tout. Je connais tout. J'adore. Voilà. Et donc, du coup, je me suis replongée dans des fanfictions d'Harry Potter avec des jeunes auteurs qui écrivent, pardon, sur Harry Potter avec des personnages de Harry Potter, l'univers d'Harry Potter. Voilà, il y a un site qui s'appelle Fanfiction. Ça doit faire depuis 2002-2003 que je vais lire de temps en temps quelques fictions. Et voilà, et du coup, je me suis replongée dans une que j'avais beaucoup aimée. Et du coup, je suis dedans. Alors du coup, j'avance un peu Joël Dicker, parce que j'en suis à plus de la moitié, ça y est. Mais j'ai aussi ce truc-là qui est sur ma tablette et que je lis également avant d'aller me coucher. Donc voilà, je lis beaucoup. Et ça me fait du bien de lire aussi. Ouais, ça me fait du bien. Bon, on va parler un petit peu de tricot quand même. Au niveau du Bombo Genesis, déjà, on va commencer par lui. Parce que c'est celui qui a eu la plus grosse progression. Ça fait donc 2 semaines que je le tricote. Je suis assez contente de mon avancée parce que ben, ça va relativement vite quand même, hein. J'ai pratiquement fait les trois quarts du châle. Je pense que je vais commencer la section 15 et il y a 19 sections en tout. Alors, je sais que les dernières sections sont toujours un peu plus longues parce qu'il y a plus de mailles sur les aiguilles. Je crois que je suis à 157. Oui, 157 mailles actuellement et à la fin je suis à 100, 200, presque 200, je ne sais plus, je n'ai pas regardé. Donc du coup je vous étais, c'est bien, Julie parle bien la France. Nous étions restés donc, voyez le Progress Keeper qui est ici. Je venais de terminer la section 9 à Troutrou et j'attaquais donc la section 11 du coup parce qu'entre les deux il y a quand même des micro-sections pour amorcer la nouvelle et donc j'ai fait ce point brioche que j'aime tellement, que j'aime tellement, qui est si épais. Je sais, je vous ai parlé beaucoup de brioche, il va vraiment falloir que je me lance. Mais voilà pour cette petite section toute douce, j'adore. J'ai redétricoté 3 rangs dès le départ parce que je m'étais plantée. Ah non, je m'étais pas plantée. J'avais en fait fait tomber une maille. Et alors en fait, je sais pas trop encore rattraper la brioche. Hein. Non, j'ai pas encore étudié le truc. Du coup, j'ai tout redétricoté, retricoté. Enfin voilà, ça m'a pris un peu de temps, pas énormément, mais un petit peu. Et puis comme je veux que ce soit nickel. Voilà, je pouvais pas passer ça en fait. Donc voilà pour la section brioche qui est donc la section 11. Donc après on a un petit rang juste, on a 4 rangs en fait ici.
d'une autre petite section. Et ensuite, on arrivait à la section 13. J'y arrivais, oui. Et donc, qui est exactement la même que la toute première section que j'ai faite tout au début. Donc, voilà, qui est une section un peu relief, vous voyez, qui est toute jolie aussi. Voilà. Et donc, j'ai terminé la section 14 qui est ici. Oui, ça fait le point sur moi. Donc, du coup, je vais cacher mes yeux et comme ça, on verra mieux. Donc, la section 14 qui est là. Et j'attaque la section 15 qui est de nouveau une section à brioche. Nous aurons également à la fin, parce que j'ai un peu regardé de nouveau parce que je ne me rappelais plus, on aura après cette section-là. Et ensuite, on termine par cette section-là. Voilà, donc j'ai pas non plus. Enfin, ça va aller assez vite. Enfin, ça va aller assez vite. Mon objectif, c'est que vendredi prochain, je l'ai terminé. Ça serait vraiment bien. Vendredi prochain, je termine ce châle. Ça me fera 3 semaines. Ouais, 3 semaines pour avoir fait un châle. Je trouve que c'est pas trop mal, hein. Donc voilà pour le Bombo Genesis qui commence à avoir un peu belle allure et fière allure. Voilà, je le trouve vraiment superbe. Superbe, superbe. Il commence à avoir une belle ampleur. Le coloris est toujours aussi magnifique, hein. Vive Squirrelliance et cette sublime couleur. Oui, cette couleur, vous avez vu comme elle me donne bonne mine. Non, non, cette couleur est faite pour moi en fait. C'est pas pour ma mère, c'est pour moi. Non, non, je vais lui offrir, mais vraiment, je pense que je vais me commander un jour ou l'autre ce coloris. Ouais, il sera pour moi. Entre petites parenthèses encore, depuis quelque temps, les teinturières mettent en vente leur calendrier de l'Avent. Alors le truc, c'est que je suis pas du tout dans Noël, quoi. Et du coup, j'ai laissé passer beaucoup de calendriers de l'Avent et je suis en train de me dire que cette année, je ne sais pas si j'aurai des calendriers de l'Avent, en fait, à ouvrir. Du coup, je suis en train de même me dire, en fait, est-ce que au mois de septembre, je commencerai pas à acheter quelques mini par-ci par-là? Et que je me fasse mon propre calendrier de l'Avent pour moi. Voilà, mini tresse. Enfin, voilà. Le truc, c'est que j'aurai pas la surprise. Donc, c'est juste ça qui m'embête. Mais voilà, vraiment, je suis pas du tout. C'est pas que je suis pas. Si je suis pas inspirée par les calendriers de l'Avent, de beaucoup. Et en fait, ceux qui m'inspirent sont à 250 balles. Et non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est même si je peux payer en 4 fois, non, 550 balles, c'est pas possible. Donc, j'attends le calendrier de l'Avent des petites potions qui sera le 5, je crois, le 5 mai. Voilà, j'espère parce que le premier ne m'emballait pas forcément. Donc, voilà. Et en plus, il n'y avait aucune possibilité d'avoir un calendrier spécial fibre. Et ça m'embêtait aussi un peu. Donc peut-être que là, dans les petites potions, le prochain sera avec des choix ou fibres ou laine. On verra. Mais ouais. Par contre, mois de mai, je vais dépenser des sous parce que l'almanach de Tricot et Stitch, j'adore la couleur. C'est magnifique. Qui sera en vente le 9. Elle a fait aussi un bouquet pour ce week-end parce qu'elle était à Bruxelles, je crois. Et là, waouh, c'est pareil, le bouquet de mini est sublime. Alors, s'il est en vente, possible craquage, possible. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai de la fibre allemande, je crois. Je ne me rappelle plus le nom, qui va être en vente aussi vendredi prochain. Et là, j'ai vu deux petits trucs sympas. Très sympas. Voilà, donc je pense que ça va être un peu plus le calendrier peut-être des petites potions. Ouais, je pense que je vais avoir petit craquage au mois de mai. Ça va me faire du bien. Voilà pour le Bombo Genesis, parce que voilà, quand même, hein, on parle de tricot, c'est quand même bien, hein, c'est quand même mieux. Voilà pour le Bombo Genesis, donc il avance doucement mais sûrement, mais il avance bien quand même. Le deuxième patron, juste pour vous montrer très rapidement l'avancée du
Rep Fabus, j'ai rien fait pratiquement. Hein. C'est-à-dire que j'étais là la dernière. Je crois que j'étais là la dernière fois qu'on s'est parlé, donc mardi, lundi, mercredi, je ne sais plus. Lundi. Oui, c'était lundi. Oh, joli, c'est bien, bravo. Donc lundi, et donc j'ai fait que ça. Mais bon, il me reste, je pense, 2-3 grammes à faire avant d'amorcer la prochaine couleur. Je n'ai pas du tout filé, du tout. Je pense que ce week-end, je vais filer. Mais je n'ai pas du tout filé. Non, mais ça a été cette semaine un no tricotage, no. Non, j'avais pas envie. Non, ça arrive. Ça arrive, mais du coup, c'est vrai que quand on fait un vlog, du coup, ben, on n'a pas grand-chose à dire, quoi. Moi aussi, j'avais quand même des choses à vous dire et à vous montrer, mais bon. Ouais. Du coup, ensuite, le dernier patron à vous montrer, c'est mes chaussettes auto-orientantes. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Je pensais avoir terminé au niveau des rayures, mais je l'ai mis à mon pied et en fait, c'est quand même un peu trop proche de ma cheville. Je vais encore monter, donc dans le principe, pour reprendre là, parce que je veux vraiment les mêmes chaussettes. Il faut que je m'arrête du coup au prochain bleu. Donc vous voyez, j'étais au bleu déjà, ça y est. Donc il me reste encore tout ça à faire. Et ensuite j'attaquerai les côtes. Et j'aurai terminé ma première chaussette. Qui nécessitera pas de blocage. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand on tricote. Bon, interruption de plusieurs minutes parce que j'étais avec mes parents. Que je n'ai pas eu depuis une semaine parce qu'ils étaient partis dans le fin fond de l'Australie. Ils sont toujours en Australie, et qui était donc du coup à Broken Hill. Et voilà, donc c'est vraiment pour découvrir les mines, l'histoire un peu australienne de ce côté-là, le côté opale, etc. Enfin, voilà, et voir aussi le désert australien, du coup, voilà. Donc c'est, ils ont beaucoup aimé, mais très très pauvre, ce pays de, ce coin de pays d'Australie, voilà. Donc ils sont encore, voilà, ils ont encore une journée de route pour revenir chez mon frère, mais ça leur a beaucoup plu. Et du coup, oui, ça faisait donc une semaine que je les avais pas réellement eus, à part un message tous les jours pour faire un bisou, c'est tout. Parce qu'ils captaient pas du tout là-bas, il y avait, voilà, il y avait rien, il y avait rien. C'était, c'est vraiment très très pauvre, voilà. Donc du coup, en attendant, du coup, j'ai tricoté en même temps. Bah oui, donc du coup j'ai fait les trois petites bandes là, vous voyez. Voilà, j'ai fait les trois petites bandes là en continuant à en papotant avec ma mère, du coup parce que mon père est parti le voir le coucher de soleil. Voilà, donc j'ai quand même pas mal du coup avancé, hein, puisque j'ai donc fini. Il me reste encore la bande grise et la bande bleue, et ensuite après j'aurai donc à faire les côtes. Pas énorme, je ne pense pas. Je pense que je vais faire 2-3 cm et j'aurai terminé cette première chaussette. Et du coup, je vous parlais du fait que depuis plusieurs chaussettes déjà, donc je crois que ça fait la cinquième paire de chaussettes que je fais comme ça, avec un changement d'aiguille en 2,5 et 2,25, pardon. Et du coup, ça ne méritera pas du tout de blocage parce que vous avez vu, elle tient déjà parfaitement. Voilà, le seul moment où je ferai un blocage, je pense, c'est si je fais la dentelle. Par contre, ce que je vois, c'est qu'au niveau du talon, du coup, je ne sais pas si on le voit bien, mais ça s'est un peu réduit là, vous voyez, là et là. Je pense que c'est parce que j'ai un peu serré. Mais bon, en le mettant dans mon pied, j'aurai aucun problème. Vous voyez? Hop. Je pense que c'est par rapport au fait que, bah, que j'ai un peu serré au niveau des deux côtés, ici et ici, au niveau de la jonction. Voilà, mais c'est pas très très grave. Et voilà. Donc ça avance bien, je l'aurai terminé ce week-end parce que c'est vraiment ce que je veux. Je veux que cette chaussette soit finie ce week-end. Oui. Peut-être quand même que je la mettrai en forme quand même pour éviter tous les petits plis. On verra. Ou je le mettrai juste sur mon bloqueur et je le laisserai comme j'ai fait pour les autres paires de chaussettes depuis quelques temps. Parce que en fait, c'est ce que je fais. Je le laisse sur mon bloqueur de chaussettes
jusqu'à ce que j'ai terminé la nouvelle chaussette. Exemple, je vous montre. La dernière paire de chaussettes en date, c'était donc les sockets. Et en fait, elles sont toujours dedans, dessus. Et du coup, c'est vrai que, voyez, j'ai pas besoin de les bloquer. Elles sont parfaitement bloquées déjà. Voilà. Donc, du coup, voilà. Tout ça parce que je le tricote en 2,25 et du coup, le tricot est plus dense, plus serré. Mais j'aime beaucoup plus la définition de toute manière également. Donc voilà. Oui, ça doit faire 4 ou 5 paires de chaussettes que je fais ça. Et en fait, c'était dû à un patron où il fallait faire les 2,25. J'avais vraiment trouvé la définition nickel en fait. Voilà. Donc voyez, j'ai vraiment. Il me reste 2 rangs. Et ensuite, je pense que je ferai l'équivalent des côtes. Je ferai l'équivalent de la petite pointe là. Pour qu'en fait, du coup, quand je les mets comme ça, vous voyez, ça sera kiff-kiff. Voilà. J'aime bien l'idée d'avoir la même longueur au niveau du pied, au niveau de la tige. Côté un peu névrosé, c'est moi. Un peu beaucoup névrosé. Hein. Voilà. Donc, voilà pour cette fin de vlog et cette fin de semaine. Ce week-end, je vais me consacrer au filage et donc à la fin de cette petite paire de chaussettes. Et puis après, commencer sans doute la brioche au niveau du bombogenesis. Et voilà, et puis je pense que vraiment mon objectif la semaine prochaine, c'est de terminer ce bombogenesis pour dire que en 3 semaines, je peux faire un châle. Du coup, par rapport à la vidéo que je veux poster au niveau de ce que je vous ai dit en début de vidéo, je pense que je vais attendre un peu votre retour et si je la poste, ce sera lundi ou mardi, on verra. Mais bon, elle n'a plus qu'à être mise en fait en ligne. Hein, donc voilà. Et puis comme ça, je vais attendre un petit peu encore fin de week-end, voir votre retour par rapport à ça et puis on verra. Voilà, je vous dis à lundi pour moi, à vendredi prochain pour vous, ou non, peut-être lundi ou mardi, on verra bien donc. Et puis voilà, et je vous fais un gros bisou, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, ciao.